Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Là. Pas de la noire là, on voit pas. On va aller faire celle-ci. En même temps, on ira débloquer ça. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que vous mijotez? Le ministère devrait revoir sa position vis-à-vis de la magie noire. Ceux qui voient le monde en noir et blanc manquent clairement. Ah, l'endroit indiqué sur la carte n'est pas très loin d'ici. Mais j'ai aucune idée, c'est où. Voilà. Excusez-moi, mais auriez-vous quelques instants pour aider? Est-ce que tout va bien? Oh, c'est gentil de poser la question. Je m'appelle Betty. Betty Bugbrook. Et non, tout ne va pas bien. C'est ma chère amie Noisette. Oh, elle a des ennuis. Noisette? Oui, c'est une licorne. Je la connais depuis des années. Elle n'aime pas quitter la forêt, alors je vais la voir une fois par semaine pour lui brosser la crinière et lui donner des friandises. Sa robe est magnifique. La dernière fois que je l'ai vue, nous nous sommes fait attaquer par une meute de loups. Noisette, toujours aussi loyale, a bondi devant moi pour me protéger.
Je crains qu'elle n'ait été blessée. Ah, j'en suis désolée. Je veux l'aider, mais elle semble s'être réfugiée quelque part, par peur, certainement. Je sais que Poudlard dispense des cours sur les créatures magiques. Vous pourriez peut-être trouver ma licorne et la mettre en sécurité le temps qu'elle guérisse. Comment avez-vous fait pour vous lier d'amitié avec une licorne ? C'était un coup de chance. Je l'ai rencontrée alors qu'elle n'était qu'un petit poulain doré. Elle n'avait même pas encore de cornes. Elle m'a tout de suite fait confiance. On a passé de nombreuses heures à jouer ensemble. Oh, j'espère qu'elle va bien. Le crin de licorne est très prisé pour la fabrication de baguettes. Et perdre un ou deux crins ne lui ferait pas de mal. Mais j'ai peur que ces braconniers en aient après son sang, qui leur permettrait de rester en vie. Et cette perspective me terrifie. Je vais me mettre en quête de votre licorne. Si je la croise, je la mettrai en sécurité. Oh, votre âme est pure. Je le sens. Mais je vous en prie, ne prenez pas de risques inconsidérés. Je ne sais pas exactement où elle se cache, mais son repère se trouve au nord de Préolard. Et même si je n'ai pas pu la brosser ces derniers temps, je reste persuadée que sa robe est toujours aussi brillante et resplendissante. N'oubliez pas, vous connaîtrez grâce à sa robe lumineuse et faites attention. Je dois chercher une licorne à la robe lumineuse. Elle semble avoir des ennuis. Une licorne. Noisette doit être par ici. C'est pas vrai. Professeur Owen ne me croira jamais. Mais c'est Noisette qu'il faut, pas la... pas n'importe quelle licorne. Allez, Noisette. Il n'était pas là pour vous surveiller. Vous auriez tous perdu votre tête depuis longtemps.
Tu n'as nulle part où te cacher. Rébellion. Protégeons. C'est beau là-haut. Tu n'es plus si sûr de toi, Rébellion. Un braconnier de... Et voilà. Je peux emmener Noisette dans un vivarium. Je devrais dire à Madame Buckbrook qu'elle va bien. Facile, hein, ce que j'avais cru. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Bréolard ? Madame Buckbrook, j'ai trouvé votre licorne, Noisette. Oh, quel soulagement ! Elle va bien ! Et vous, vous allez bien? Vous avez un endroit pour la mettre en sécurité. Nous allons bien. Et je peux la protéger, je vous le promets. Accepteriez-vous de m'aider à couvrir les frais qu'elle engendrera? Oh! Je suis si soulagée! Et bien entendu, la sécurité de ma petite licorne vaut tous les galions du monde! Prenez bien soin de Noisette. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Oui.
rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Rébellion. Oh, il y a quelque chose là. Je pense qu'il y a une porte en haut. Présent de mes guises. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Regardons un peu ce que nous avons. Tu peux rien juste acheter. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Rébellion. J'ai parfois l'impression que toutes les routes... Rébellion. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. À moins qu'il y a une porte derrière lui. Rébellion. Tu es à moi à présent, Demi-Guise. Rébellion. Lumos. Protego. Regardons un peu ce que nous avons. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Thank you.
Revelio. Elle est effondrée. Elle vient d'enterrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien, Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais... Quoi ? Me dénoncer ? Elle a vu ce qui s'est passé. Revelio ! Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Me dénoncer ? Sébastien ! Tu as entendu ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal ? Je ne voulais pas. Oh, Anne, j'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends ? Tu peux parler à Hominis, lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Ne t'inquiète pas, Sébastien. Je parlerai à Hominis. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quoi qu'il arrive, je suis content de t'avoir rencontré. Revelio ! Pauvre Sébastien. Hominis, quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'aie eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvée près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes, mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien, mais je crois que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix, tu as raison. Tu as raison depuis le début. J'aurais aimé me tromper. Si on fait ça, on risque de ne plus jamais revoir Sébastien. Je sais, mais c'est ce que nous devons faire. Il a tué son oncle. Nous essayons de justifier ses actions depuis le début, mais il est allé trop loin. Il faut que ça s'arrête. Très bien. Je m'en charge, je vais en informer le directeur. Au revoir. Je te recontacterai. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous devons l'affronter ensemble. Revelio ! Ça, j'en suis sûr.
Ouais. Réveillons. C'est incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Je me demande qui vivait ici. Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit. Ah mais je l'ai déjà fait d'après moi parce que... J'utilise Select. En dessous. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur.
Voilà de la compagnie. Mais est-ce que c'est... Ça peut être. C'est toi qui as volé notre haut gobelin. Enfin, l'heure. Wingardium Leviosa. Confringo! Ah, ok. Il y en a juste 4 que j'ai allumé. Zéro, un, droit. Allons voir où ça mène. Rébellion. Comme s'il y a une porte qui s'est ouverte, mais je sais pas où. Rebellion.
Oh là. Voilà ce qui a provoqué toute cette agitation. Abandonné il y a longtemps, c'est certain. Il y en a un autre là, j'avais pas vu. L'endroit semble être assez agréable. Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez ? Tout à fait. Je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un Dirico en particulier. Un Dirico ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oiseaux magiques. Les moldus les appellent des dodos et pensent que l'espèce s'est éteinte. Mais c'est parce qu'ils peuvent disparaître à proximité des humains. Je me fais du souci pour un grand Dirico albino surnommé Guineira. Il s'agit d'une légende locale, et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine. Et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. J'ai le sentiment que vous vous intéressez plus aux plumes qu'à l'oiseau. Mais les braconniers sont bien pires. Absolument. Ils lui arracheraient les plumes et la tueraient quand elle n'en aurait plus. Je ne parviens pas à la sauver. Et j'ai peur que les Dirico ne me fassent pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. Pourquoi ne se préoccuper que de Guineira et pas des autres Dirico ? Guineira est spéciale. Avec son incroyable plumage, elle intéresse beaucoup les braconniers. Ils sont prêts à tout pour l'attraper. Les autres Dirico ne semblent pas avoir de mal à échapper aux braconniers. Pourriez-vous me décrire ce fameux repère de Dirico ? Il se trouve près de la rive, en haut d'un promontoire rocheux. Vous ne pourrez pas le manquer. De nombreux Dirico s'y prélassent. Je vais me mettre en quête d'un grand Dirico blanc, alors. Oh, merci. Oh, ces magnifiques plumes. Et elle serait en sécurité. Une dernière chose. Elle semble passer ses journées cachées. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Vous risquez de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses-poursuites comme un jeu. J'imagine que je devrais attendre Guineira. Elle n'apparaît que la nuit, apparemment. Stupéfixe.
Voilà le repère de Tirico. Mais Miss Moffett a dit que Queen est... que la nuit. Ça doit être le repère de Tirico dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Queen Hera? Je l'ai eu. Je dois en informer Miss Moffett. C'était vite. Vite, 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 comme l'éclair. Je me demande qui y vit. Oh, bonjour. Miss Moffett, j'ai attrapé Queen Hera. C'est incroyable. Elle vous a donné du fil à retordre? Oh, ce n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Oh, ne soyez pas si modeste. Eh bien, je peux la récupérer? Oui, mais tout travail mérite salaire, vous savez. Je suppose que ce n'est que justice. Je suis bien consciente qu'elle n'a pas dû se laisser faire. Son plumage est sublime. Oh, je vais fabriquer de superbes tenues avec ses plumes. Et je lui offrirai une belle vie, bien sûr. Je vous suis reconnaissante de m'avoir ramené Queen Hera. Je vais la protéger et éviter de trop utiliser ses... Vous êtes là. Vous reconnaissez cette tête sculptée? On dirait un grappe-corne. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un grappe-corne pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de grappe-corne vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Vous avez déjà maîtrisé un grappe-corne, professeur? En effet. Il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Quel plaisir de vous revoir. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Je dois être au bon endroit.
Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Il n'y a pas de lave impliqué, on va la faire. Confringo. Rebellio. Confringo. Rebellio. Et voilà, c'est réglé. Rebellion. Rebellio. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Yes, sir, Mystic. Thank you.
Sorry, mistake. Ça va là, il reste pas beaucoup à tuer. J'ai besoin de toi, mon ami. Ça va, mon mystique? Tout ça va bien, vous autres? Le charge de garde inflige n'importe quel aux ennemis un certain brutal. Maintenant, maintenez LT pour charger, sauver la gauche d'endurance des dragons qui vise lorsque celui charge. La charge du grappcorn inflige d'importants dégâts aux ennemis et certains barricades maintenant. Maintenez LT pour surcharger la jauge d'endurance du grappcorn et se vise lorsque celui-ci charge. Est-ce que je pouvais défaire quelque chose que je sais pas? Ah hein? Oh, là, ok. On avance bien dans le jeu là, j'ai comme 80% des exploits de fait. Qu'un quelqu'un.
commence à m'agacer. C'est parti! Bon, on est arrivé. Le jeu est bon, l'histoire est bonne, c'est un 100$ bien investi. Et si tu t'intéresses à le faire à 100%, c'est... Quand tu joues à ça, t'es pas déçu. Le professeur Rackham a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Bakar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Revelio. Et voilà, les pancines. Activer toutes les poules. Débloquer. J'ai fait les 4 pancines. C'est le 4e. Bon, allez, on va avoir une autre partie de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Isidora? T'as déjà écouté les 8 films de Harry Potter, Mystique? Moi. Isidora? Isidora? Ah. Monsieur Morganac, je... Lui, on sait pas les effets secondaires. Elle lui a enlevé sa... Il y avait de la peine, puis elle lui a enlevé sa peine. Avec de la magie. On sait pas ce qu'il a enlevé exactement. Elle lui a enlevé comme son âme, finalement. Il y a sûrement des effets secondaires. San, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Elle l'a utilisée sur une des 4 mages aussi. La femme qui est là, elle était utilisée sur elle. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord?
C'est probablement ça, ce bloc-là, que le gobelin lui a créé. Placer tous les sentiments. Mais qu'avez-vous fait? Dis-moi le ton gâteau, Ben. Bonne idée. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus! Aïe aïe. Ouch. Il l'a tué d'une shot, je pense. Je pense que c'est la magie de la mort, ça. Elle est trop vie. La salle des cartes. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qui va être la suite? Ça fait juste plus de 40 heures qu'on joue. Je suis pas tanné. Ce qui est l'histoire, c'est que j'ai encore ben du plaisir. Les quatre qu'on voyait sont dans les cadres. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volées. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrok. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrok ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrok. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrok compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur.
À très bientôt. Épreuve de Sanbakar terminée. Revelio. Salle sur demain. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!